Bonjour à tous, c'est Charles et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur les Sims 3. Et on se retrouve donc en compagnie de Sona qu'on avait laissée quand elle partait au boulot. Là, bon, je vous ai passé cette étape-là, elle est rentrée. On avait fait rencontrer les collègues, mais là, on ne rencontrait personne. Là, elle est un petit peu fatiguée. Pour l'instant, elle mange. Et quoi de neuf aussi, je lui ai acheté un petit chevalet comme on avait des sous. On n'en a plus, vous voyez. Mais comme ça, elle va pouvoir augmenter un petit peu sa distraction. Et du coup, elle va faire une petite peinture. J'ai également accroché la carte de vœux qu'elle avait faite au festival d'été. Hein. Voilà, comme on la voit sur la plage et tout. C'est pas hyper cool parce qu'elle est toute habillée, mais j'avais pas pensé à ce détail. Et ici, on a son petit diplôme du baccalauréat. Alors attention, voilà, elle est diplômée. Donc voilà, elle va nous faire une petite peinture nette, comme ça lui fait un petit loisir parce que il faut pas avoir que le boulot dans la vie, même si en soi elle doit aussi améliorer son charisme. Hop, et puis elle est un petit peu fatiguée, alors après elle ira se coucher. Je sais pas si elle travaille demain dans 16h. Ouais, d'accord, ok, super. Au niveau du bonheur à long terme, on a 2600. Je vais regarder s'il n'y a pas des trucs qu'on peut... Ouais, non, c'est que des trucs de groupe, donc ça m'intéresse pas trop. Hop, je suis pas passionnée par les groupes d'université. Oui, parce que du coup j'ai installé l'université entre temps, je l'avais pas encore fait pour le premier épisode. Là c'est bon, c'est fait, donc c'est installé. Et pour ambition, bah écoutez, j'ai toujours pas réussi, hein. Il y a l'une de vous qui a essayé de me donner des conseils dans les commentaires en me disant de désinstaller tous les add-ons Origin et tout et de les réinstaller dans l'ordre. Mais malheureusement j'ai déjà essayé, ça n'avait pas fonctionné, donc je la remercie vraiment pour avoir essayé de me donner un coup de main, mais je crois que c'est un cas un petit peu désespéré. J'avais essayé de faire ça avant de lancer le let's play, mais ça n'avait pas marché. Donc écoutez, pour l'instant on n'aura pas ambition, on devra se satisfaire des métiers du jeu, même s'ils sont pas hyper nombreux, écoutez, voilà. Et j'ai également installé l'addon, comment il s'appelle, Super Pouvoir, voilà. Mais ça, on s'en servira pas dans ce let's play parce que, a priori, c'est plutôt une histoire normale. Je veux que ça fasse un petit peu réaliste. Hop, elle va aller dormir. Et donc, si on voit... On va peut-être débarquer des zombies de temps en temps, je vous cache pas, parce que il y a des phases de lune, du coup, comme ici, mais voilà. On va essayer d'éviter, quoi. En tout cas, ce qu'elle nous a peint, ça n'a pas l'air d'être... Hein. Bon, en même temps, c'est normal qu'elle soit pas très douée. Hein. C'est sa première peinture, on va pas être... On va pas être méchant. Voilà, on va la laisser dormir tranquillement. Faut que je me remémore un petit peu où on en était au niveau de ses relations. Ah oui, elle avait pas du tout d'amis. Ce serait bien qu'on se fasse des amis. Pourquoi pas notre patronne? C'est toujours avantageux d'être amie avec son patron. Et puis, elle a l'air plutôt cool. Ouais, pourquoi pas notre patronne, écoutez, ça pourrait être sympa, ça pourrait être rigolo. Bon, alors elle dort encore, quand elle se réveillera, j'aimerais bien qu'elle mange un petit quelque chose. Servir ce plat, petit déjeuner, gaufre, voilà. Ensuite, elle ira nous faire un petit pissou et puis une petite douche. Là, on va peut-être la lever pour qu'elle ait le temps de faire tout ça, hop, voilà. Se doucher, qu'est-ce qu'elle veut? Nettoyer quelque chose. Oui, tu nettoieras un truc, je sais pas quoi. On a un lit pourri, donc voilà. On en rachètera un quand on aura un petit peu plus de sous. Son amusement, c'est pas fou, même si je l'ai fait peindre hier. C'est pas délirant. Mais moi, je voudrais qu'elle s'entraîne pour son charisme, en fait, parce qu'elle en a besoin pour sa carrière. Elle est plutôt bien, mais c'est pas ouf non plus, elle peut encore s'améliorer, quoi. Allez, on part sur un petit repas. Moi j'aimerais bien avoir le temps de me faire des gaufres le matin, ce serait cool. En vrai, je prends mon café et je pars, quoi. Je crois qu'elle va gagner un point de compétence en cuisine. Yes. Ah bah c'est son premier, je crois. On va aller loin avec ça, un petit peu. On va aller loin. Bon. Voilà, les a pas cramés, écoutez, c'est déjà un bon point. Donc elle va servir son petit repas. Elle est quand même un peu maigre, hein. Je l'ai faite un peu trop maigre, on voit un petit peu ses côtes et tout, c'est pas ouf. Mais bon, à force de manger des gaufres le matin, elle va finir par se remplir un petit peu, hein. Écoutez, voilà, hop.
Mais c'est vrai que globalement, dans mon jeu, je fais pas des Sims très. Ils sont toujours très minces. Ouais, peut-être que j'essaye de faire des Sims un petit peu plus réaliste, avec un petit bidou et tout ça. Mais enfin bon. Y a pas beaucoup de fesses non plus. Hein. Enfin, on dira rien. On va oublier ce que je viens de dire. Voilà. Hop. Allez. Ouh, le tonnerre gronde. Ça fait plaisir, vous voyez. Ça manque dans les Sims 4, franchement, qu'on ait un petit peu de pluie et tout, de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, quoi, vous voyez. Voilà. Et je crois. Non, c'est bon. J'ai cru voir un truc vert s'échapper du frigo ici, mais en fait, non, c'était une ombre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? T'as bouché tes toilettes. Bah, bravo. Hop. Le véhicule arrive dans 1 heure. Bah, dépêche-toi de prendre ta douche et tout ça, parce que voilà. Et pas du tout de bonne humeur. Ensuite, si t'as le temps, tu vas essayer de déboucher. Je sais pas si ça va être faisable du coup. Hop. Ah oui, elle va avoir plein d'amis, donc il va falloir qu'on sociabilise un petit peu. Hein. Ça devient urgent là. C'est quand nos jours de congé déjà? C'est samedi dimanche. D'accord, très bien. Ah oui, là ça va être chaud. Bon bah écoutez, ça on le fera en rentrant, elle débouchera et puis voilà. Hop. C'est pas au travail. Voilà, avec le petit parapluie. Rien d'inhabituel, tu vas. Si elle a rencontré tout le monde. J'ai un doute parce qu'elle a rencontré personne là, dans la période où je l'ai envoyée travailler. Elle s'en va le point rien. Bah, emballe-toi, y'a pas de soucis. Hop. Non, on va attendre qu'elle revienne. J'aurais peut-être pas dû la lever si tôt quand on voit sa barre d'énergie en fait. Hein. Ce petit bruit de pluie très agréable. Ah, alors visiblement, elle a rencontré tous ses collègues. On a une petite notification. Du coup, elle va discuter avec ses collègues. Voilà. Ça la fera se sentir un peu mieux. Améliorer sa compétence charisme. Elle est sortie du travail. La campagne n'a plus de tract. L'élection se déroule demain. Sona sauve la situation en allant chercher des exemplaires. Le propriétaire du magasin nous photocopie les offres même à Sona en guise de don pour la campagne. Le responsable de la campagne est ravi et donne une promotion. Oh, trop bien! Oh, on a reçu une prime, super! On manquait un petit peu de sous. Et bah, ça, voilà, ça c'est fait. Écoutez, moi je suis super contente. Donc, elle va aller déboucher ses toilettes pour fêter sa promotion. C'est génial. Non, je pense qu'on va, peut-être sortir. On va peut-être sortir pour fêter ça, je sais pas. Mais cette tenue, mais elle est vraiment tenue dégueulasse, quoi. Enfin, ah, non, qu'est-ce que j'ai fait? Courir nu. Non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Hop. Changer de tenue. Quotidien, ça sera vachement mieux. Ensuite, tu iras continuer un petit peu ta toile pour remonter ton divertissement. Voilà, c'est quand même vachement mieux comme tenue. On peut peut-être lui changer sa tenue d'ailleurs, parce que moi j'aime bien les tenues d'université et tout ça. Je verrai peut-être pour changer. Elle va nous faire un petit truc d'artiste. Voilà. Ah, la toile estimée à 3$. Génial. Eh bien, on va vendre notre toile à 3$. On va, pourquoi pas, manger un bout, mais elle est hyper fatiguée, quoi. Manger des restes. Macaroni au fromage. Et puis, vous savez quoi, je vais la faire dormir un petit peu et on va sortir ce soir. Hop. Pourquoi pas inviter notre patronne pour la remercier de nous avoir donné une promotion. Après tout, pourquoi pas. Les espaces. Ah! On part sur quelque chose de moisi. Bien. Tu vas nous nettoyer ça, tu mangeras après. Et du coup, tu mangeras des gaufres. Au moins, elles sont de ce matin. Je suis sûre qu'elles vont pas pourrir dans la seconde. Hop. Je veux pas qu'elles dorment trop non plus. On va dire que vers 18h30, je la réveille. Allez. Juste comme ça, ça pourrait être pas mal. Ah, ben voilà, le frigo qui pue. On va jeter la nourriture panier. Ah, la pleine lune, voilà, donc là on va se taper les loups-garous et les zombies, je crois, donc voilà. Et voilà, hein, c'est pas grave, c'est pas
je crois que dans les options, je peux changer des trucs pour ça, mais bon, j'ai un petit peu la flemme, je vous avoue. Nettoyer l'évier, tu veux nettoyer ton évier. Bien, ça peut te faire plaisir. Mais enfin, ce serait bien qu'on parte pas trop tard quand même. Ah bah voilà, on a des zombies qui pop, c'est génial. Bonjour mon petit, qui es-tu? Tu n'as pas de nom. Dave Ramsek. Le retour. Écoutez, hop. Pas grave, nous on les ignore, de toute façon on va sortir, donc on s'en fout un petit peu. Ah, elle a fini de manger. Non, tu vas pas préparer des coffres. Ce que j'aime pas trop, c'est que la lumière, en fait, toutes les lumières deviennent vertes. Genre, ambiance film d'horreur, quoi. Un petit peu spécial. Hop, on fait un petit nettoyage d'évier. Et ensuite, du coup, on va sortir. Alors, ouf. Est-ce qu'on pourrait pas inviter notre boss? Je vais voir ça. Ah non, c'était là. Voilà. Inviter à aller. Voilà. On va faire ça plutôt. C'est bon, tu t'es pas encore fait bouffer? Non, tout va être là. Et ben, y a pas les restos? Librairie, bistrot. Ah, bistrot, ça peut être pas mal. Service de police, hôtel de ville. On va aller au bistrot. Oui. Voilà. Ça sera parfait. Ça, on va nouer un petit peu des relations, ça nous changera. Alors lui, il reste là, quoi. Il bouge pas, tout va bien. Ouh, les textures, elles ont un petit peu du mal, là. Hop, voilà, c'est bon. Comment ça, ça ne t'intéresse pas? Avec qui on aurait envie d'être amis? Et les autres, ils m'ont l'air un peu bizarres, en fait. Tu sais quoi, on va aller là-bas toute seule. Et puis, on va commander des boissons. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis, on verra bien. Si ça se trouve, on va peut-être faire des rencontres sur place. C'est jamais. Eh ben voilà, tu nous fais... Oh, elle nous a mis sa jolie petite tenue de sortie que vous pouvez du coup admirer. Voilà, bien, bien, bien. J'espère que vous appréciez. Ce n'est une poltronne, surtout quand elle est dehors et qu'il fait noir. Oui, surtout quand il y a des zombies en plus. Hein. Ça aide pas, je pense. Ça aide pas. Alors, monsieur qui flotte dans les airs, dis-nous tout. Il a l'air un peu petit ce bistrot. Hein. Mais au moins il y a des gens. Au moins il y a des gens. On va y voir un petit peu leur tronche. Lui, il m'a l'air plutôt pas mal. Là. On va lui faire une présentation agréable. Non, ça, toi tu ne t'appelles pas Kevin. Voilà. Elle aussi. Allez, piquer quelque chose, elle est kleptomane. C'est possible, j'avais oublié. Mais moi, c'est pas ça que je voulais faire. Peut-être qu'elle part, je sais pas, c'est peut-être pour ça que j'ai aucune action disponible. Ah oui, c'est ça, elle était en train de partir en fait. Puis ça se trouve, l'autre aussi, il part. Oh non. Ah, sur un balai. Ah donc, nous avons affaire à une sorcière, d'accord, très bien. Ok, je ne savais pas. Et bah écoutez, on découvre toujours des choses. Voilà, hop. Ah, donc c'est comme ça. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus d'animation, les gars. Et qui es-tu, toi? Ou toi, tu as une calvitie. Moi, je ne parle pas aux gens qui ont une calvitie, sauf aux profs. Non, je rigole, je plaisante. Toi, t'habites pas loin de chez nous. Yenda, ça m'a l'air sympathique. Hop, s'il te plaît, voilà. Ne bougez pas, madame, ne bougez pas. Comment qu'elle s'appelle? Victoria. Elle rentre à son domicile, donc on ne peut pas lui parler. Non, mais c'est pénible. Écoutez, toi, tu es qui? Tu es un enfant. Il n'y a pas des gens sympathiques dans le coin? Ah, peut-être par ici. Oui, ici, il y a des gens. Ils sont peut-être en... Non, on ne veut pas d'informations. Ils sont peut-être en plein rencard. On pourrait peut-être venir les embêter, du coup. Oui, non. Hop. En vrai, je sais même pas si c'est dangereux de sortir par pleine lune comme ça, parce que
Je n'avais jamais joué avec cette extension-là. Sylvaine, voilà. On va aller se présenter à Sylvaine. Présentation agréable. Parfait. Elle a une tête bizarre, Sylvaine. Non. Moi, j'aurais bien aimé qu'on se fasse des connaissances plutôt sympathiques. Ça m'a pas l'air gagné. Toi, qui es-tu ? Agnès la dentelle. Non, je ne l'aime pas, mademoiselle la dentelle. Ref aux autres Sims, pour ceux qui connaissent. Sims 1, surtout. Bah pourquoi pas, après tout, j'ai mis Jolina. Allez, on va faire connaissance et ensuite on va rentrer. Parce que, hop, ça va 2 minutes, en plus elle est super fatiguée. Écoutez, on aura fêté la promotion comme on peut avec les amis qu'on a, c'est-à-dire pas beaucoup. Pourquoi devenir pote avec elle à la rigueur? Elle a une tête qui passe, franchement. Ça va, il y a pire. Hop. On va discuter un petit peu avec elle, pourquoi pas. Mais je crois qu'on travaille demain, donc ça va être une galère, les amis. On va faire amical, discuter. Amical. Ah, dire à une amie que vous êtes cool. Ça pourrait être bien, ça, si elle a des amis pas trop bizarres. Madison, Hank, Monica, Pauline. Lui, je vais pas dire son nom parce que voilà. Ok. Pourquoi pas Pauline ? Pas l'air trop chelou. Là, on entretient des petites amitiés comme ça. On invitera chez nous plus tard, hein, mais là, c'est un peu risqué entre les zombies, les loups-garous et les vampires. On va peut-être rentrer chez nous, plus l'autre sorcière qu'on a croisée sur son balai. Voilà. Nous, on est une pauvre petite humaine, on n'a pas envie de s'en prendre plein la tronche. Hein, ce qui est tout à fait compréhensible, je pense. Ok, elle parle des petits jouets, là, des poupées qu'ont les enfants, parfois les amis imaginaires. Voilà. Je suis mal. Hop, et là ça va être bon, on va rentrer. Ah, j'ai beaucoup parlé de toi, Paul. C'est très gentil. Est-ce que du coup on l'a dans nos relations? Oui, ah ça permet de l'avoir. Ah, mais c'est une vampire, c'est ça? Et elle, c'est une loup-garou? J'espère qu'on va pas se retrouver qu'avec des sims surnaturels parce que. Ça va être compliqué, quoi. D'accord, très bien. Peur du noir. Oui, bon, bah ça va. Tu vas rentrer chez toi, il y a de la lumière. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Elle va aller faire un petit pipi. Et puis ensuite, je pense qu'elle va aller se coucher direct. Parce que là, voilà. La fatigue. Elle prendra une petite douche demain. Alors, dormir. Voilà. On avait des petites connaissances, écoutez, c'est plutôt pas mal, voilà. Commence à se faire des amis. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu parler à, je crois qu'il s'appelle Kevin, l'autre, parce qu'il avait l'air, plutôt mignon, écoutez. Enfin, après tout, pourquoi ne pas la faire sortir avec une fille? Ça pourrait être sympa aussi, hein. Ça pourrait être sympa, on l'a encore jamais fait jusqu'à maintenant. Dans mes let's play, pourquoi ne pas commencer avec elle? Je ne sais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos avis avec impatience. Et on n'a plus qu'à attendre qu'elle se réveille, la petite. Ouais, je me dis que je la verrais plutôt bien avec une fille, en fait. Pourquoi pas? Écoutez, à voir. Risme, faut qu'elle s'améliore, du coup, vu qu'elle a eu une promotion. Il faut être à la hauteur des espérances de notre petite patronne qui n'a pas voulu aller boire un verre avec nous. C'est pas très cool, ça, d'ailleurs. Vraiment pas cool. Pour l'instant, elle a zéro ami, quoi. C'est bon. On me dirait, en même temps, on n'avait pas beaucoup joué la dernière fois. Hein. Voilà, ça va se faire petit à petit. Oh, son énergie, elle remonte pas du tout. C'est une catastrophe. Elle va être épuisée au boulot. Voilà. Je vais peut-être lui acheter une machine à café, un truc comme ça. On va pas dépenser trop de sous pour l'instant. On va économiser un petit peu. Voilà. Hop. Se réveille, covoiturage dans 1 heure. J'espère qu'elle aura le temps de nettoyer ses toilettes et de prendre une douche. Son humeur, ça va pas être trop ça, je pense. Ah, est-ce qu'on se rachèterait pas un lit? Attendez, je vais regarder vite fait combien coûtent les lits. C'est dans quoi? Non, là. Ça doit être là-dedans. Oui. Oula, non, ouais, on n'a pas les moyens, les gars. On n'a pas les moyens de s'acheter un meilleur lit. On n'a pas les moyens de s'acheter un lit tout court, un lit de place, ça ne va pas.
Hop. Après, vous me direz, pas besoin d'un lit de place en soi. Enfin, c'est quand même vachement plus confortable. Et puis, si plus tard, on a un petit ami ou une petite amie, voilà quoi. Allez, à la douche, dépêche-toi. Oh là 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 là. Ça va être une catastrophe ce matin. L'énergie, ça va pas. Mais alors, pas du tout. Oui, bah tu attends 2 minutes, toi. On prend notre petite douche, voilà. Hein. Au pire, on sera un petit peu en retard au travail, c'est pas bien grave. Hein. Hop. Bonjour madame, c'est pour les factures. Si c'est le cas, j'aimerais bien que vous repassiez dans longtemps. Très longtemps. Hop, on va arrêter de prendre notre douche et on va partir au boulot. Allez. Zou, on est parti avec cette tenue toujours affriolante, n'est-ce pas? Allez. Et voilà, on est parti au boulot. Donc là, on discute avec les collègues. Oui, après tout, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Comme collègue, on a qui? On a elle. Oula, oui. D'accord. On a elle. Mais j'ai pas envie spécialement d'être amie avec elle. Quoi, plutôt faire les courses du supérieur. Ouais. On va travailler dur. Allez, on va travailler dur et quand elle sera trop angoissée, on changera. Voilà. Pourquoi pas mettre un petit truc, un petit poste de musique dans la maison. En fait, j'ai envie de rajouter plein de choses, mais si je commence, ça va être bon. Voilà quoi. Et je voudrais préciser aussi que cette série vous plaît. J'essaierai sûrement d'investir dans d'autres add-ons des Sims 3, après tout, que je n'avais pas de base, mais que voilà, je pourrais rajouter éventuellement. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me signifier que ça vous plaît. Ça commence à être un petit peu tendu. Du coup, on va faire les courses du supérieur. Hop, on est parti. Voilà. Je surveille quand même. Hein. Mais elle est tellement chaos que... voilà. Faut bien qu'elle se fasse plaisir un petit peu. Ah oui, elle était en effet kleptomane. Hein, j'avais oublié. Mais je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai mis en aléatoire hein, les traits. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit bug pendant un instant. J'ai mis les traits en aléatoire, donc... Oh là là, elle va rentrer, elle va dormir. Hein. Je crois que là, il n'y a pas d'autres alternatives. Elle va peut-être manger un petit coup. Non, elle va dormir, c'est la priorité. Hop. C'est ça, de faire la fête, hein. Une veille de boulot, hein. C'est pas terrible, voilà. C'est dommage parce que tous ces autres trucs qui sont au top, à part la fin... Allez, creusez. Ah oui, du coup, on peut de nouveau peut-être travailler dessus. Alors, voyons voir. Atteindre le niveau 5 de la carrière politique. Oui, quitter son lieu de travail. D'accord. Oh, elle a été promue. C'est génial. Bon, au moins, ses efforts paient. Ah, exactement le même événement que quand elle a eu sa première promotion. D'accord, très bien. Bah écoutez, là par contre, elle va aller au dodo direct. Cette fois, on va pas fêter la promotion. Après tout, 2 promotions, 2 jours d'affilée. Hein, voilà. On va pas faire la fête tous les jours non plus. Hein. Si on arrive à avoir une promotion par jour, les gars, moi je vous le dis, on se met très très bien dans ce let's play. Hein. Y a pas de soucis. Commence à avoir faim aussi. Là, a priori, elle dort jusqu'à quelle heure? Jusqu'à minuit. On la lèvera avant, bien sûr. J'ai pas envie qu'elle fasse non plus... une nuit chelou, puis elle servira des macarons et du fromage. Voilà. De toute façon, c'est pas comme si elle avait une compétence très élevée pour faire des plats hyper élaborés. Hop. Bah, je vais peut-être la relever maintenant. Comme ça, elle mange. Elle s'entraîne un petit peu pour son charisme et comme ça, elle se couche pas trop tard. Et au niveau des compétences, vous voyez, on a un sacré chemin à parcourir. Vu qu'on a eu 2 promotions d'affilée avec des événements, déjà c'était pas ouf, mais alors là, regardez, là clairement ça va pas du tout. Pour la promotion, la prochaine promotion, on peut se brosser. Hein. Sauf si on a un événement, comme ça, on va arriver au niveau 10 de la carrière avec des événements. Non, là on est au niveau 3. Très bien. Bon petit repas, ça attire du bien. Ma pauvre petite Sona, elle travaille dur, mais au moins... Ah, attendez, le lit.
je reviens quand même, hein, voilà. Peut-être qu'on va enfin pouvoir s'acheter un nouveau lit, du coup. Alors, celui qu'on a, c'est lequel ? Lit double métal. Donc, c'est vraiment celui-là, celui de base, de base. Mais on peut avoir des bien meilleurs lits. Alors, le meilleur lit qu'on puisse avoir en deux places, c'est celui-là. Oui, bah écoutez, pourquoi pas. Regardez ce qu'il nous propose comme couleur. Quelque chose d'un peu plus beige, d'un peu plus neutre, vous voyez. Ok, donc j'ai choisi ce lit-là, même si le placard me laisse dubitatif. Mais voilà. Oh, on va se calmer, mon petit, hein. Mais c'est un lit de bien meilleure qualité, donc elle dormira mieux. Je vais quand même changer la couleur du placard, hein, du petit tiroir. J'en reviens. Et voilà les amis, c'est bon, c'est quand même vachement mieux. Le truc là n'est plus vert, le petit tiroir, voilà. C'est toujours ça de fait. Alors, si tu pouvais te dépêcher de te faire à manger, elle va peut-être gagner un petit point de cuisine, ce serait plutôt pas mal. Elle est d'une humeur massacrante, la pauvre. Mais au moins, elle dormira bien, grâce à son bon travail. Voilà. Hop, sa direction, le frigo. Hop, ensuite elle ira se prendre une petite douche une fois qu'elle aura peut-être gagné un point de charisme, si on est optimiste. Hop, voilà. Allez, dépêche-toi de finir de manger. Plus c'est un de ses petits souhaits, donc voilà, ça peut pas faire de mal. Bah, d'accord, moi j'ai posé le bol ici. Hop, j'espère qu'il est... Mais, viens avec moi, petit bol, enfin. Dans le frigo, voilà, c'est beaucoup mieux. Ça m'a l'air passionnant ce qu'elle se raconte à elle-même. Et ensuite, elle ira directement se coucher après sa douche, parce qu'elle est bien, bien fatiguée, voilà. Ah, bah elle en a marre. Donc, très bien. Hop, allez. Prends ta douche. On continuera à bosser le charisme plus tard. Voilà. Et au lit. Bon, bah c'était une journée mouvementée. Ce qu'elle va faire demain matin, c'est qu'elle ira faire un petit pipi, bien entendu. Et puis, elle va avoir besoin de s'amuser également un petit peu. Donc elle va une peinture, toujours une petite. Voilà. Hop. Ce qui est bien, c'est que là, on n'a pas payé l'étoile. Alors, la douche est de mauvaise qualité aussi. Donc, la prochaine étape, ce sera... Ah, journée des loisirs dans 2 jours. Très bien. La prochaine étape, ce sera de changer la douche, histoire qu'elle ait moins de trucs négatifs comme ça. Voilà. Ça pourrait être pas mal. En tout cas, là, elle va avoir une petite nuit bien reposante. On va regarder au niveau de son travail... Ah bah c'est bien parce que là elle va travailler du coup aujourd'hui et après elle a 2 jours de repos donc on va pouvoir bosser le charisme et également se faire des amis. Voilà, ça pourrait être plutôt pas mal ça. Allez. Et puis vous inquiétez pas pour sa faim, hein, de toute façon elle peut manger au travail donc voilà. Mais on va remplacer les meubles petit à petit pour se faire des meubles de meilleure qualité qui lui apporteront une meilleure humeur petit à petit. Et puis un jour, peut-être, on déménagera. Voilà. Un jour, peut-être, quand elle aura un peu plus de sous. Parce que là, pour l'instant, c'est pas la grande joie non plus. Hop, voilà, fatigue, ça va aller. Tu vas te réveiller. Regarde la chaîne de cuisine. Non, mais non. Hop. Tu vas plutôt faire ce que je t'ai demandé. Hop, voilà, le petit pipi, on se lave les mains. Elle voudra nettoyer son lavabo, on verra plus tard. Pour l'instant, je veux qu'elle remonte son amusement. Voilà, ça pourrait être pas mal. Elle va gagner peut-être un point de compétence en peinture. Oui, on sait et on profitera du week-end pour se faire des petits amis. Des petits amis, pourquoi pas après tout, hein, mais des amis surtout d'abord. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a vu ? Acheter un objet de type cercueil. Je ne crois pas que tu en aies besoin, ma petite. Tu as encore pas mal de temps à vivre, mine de rien.
Eh ben, c'est bien, elle a gagné un petit point de compétence en peinture. Et le travail est là, donc on va y aller tout de suite. Oui, on arrive. Et puis écoutez les amis, je pense que c'est sur cette ce petit départ au travail qu'on va se laisser. Et puis dans le prochain épisode, du coup, on s'occupera de tout ce qu'on a à faire le week-end, donc charisme, amis, etc. Ça va être un épisode plutôt intéressant, je pense. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça me fait toujours très plaisir, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, surtout très important. Et puis, n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao !